Messieurs Bernard Delcaro et Mathieu Malinine, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté de venir pour la présentation de ce beau livre sur le Grand Carême, une édition que vous avez préparée ensemble avec la partie du texte qui est présentée plus particulièrement par vous, Bernard Delcaro, et Mathieu Malinine qui s'est penché plus sur le chant qui est pratiqué pendant ce temps du carême. Peut-être pour commencer, il serait utile de nous rappeler brièvement les règles du grand carême dans la tradition orthodoxe. Je dirais que le plus important au départ, c'est de rappeler que le grand carême a un fondement évangélique. C'est notre Seigneur lui-même qui a jeûné 40 jours dans le désert et qui nous a montré ainsi la voie vers le royaume des cieux. Ensuite, ce qui est aussi important à relever dans l'Évangile, c'est que le Seigneur dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites ». Et il dit « Lorsque vous jeûnez », il ne dit pas « Si vous jeûnez », ce n'est pas optionnel. Donc c'est vraiment un commandement divin. Pour ce qui concerne les règles alimentaires, pendant le grand carême, on doit s'abstenir de la viande, des produits laitiers et même du poisson, sauf lors de la fête de l'Annonciation et le dimanche des rameaux. Ce que je voudrais souligner au niveau de la nourriture, c'est que ces règles ont été définies par un concile œcuménique, par le concile Intrullo, qui a siégé au 7e siècle et qui a précisé dans sa 56e règle les règles du carême. Donc ce n'est pas quelque chose, disons, d'arbitraire de la part de l'Église, mais ça a été légalisé, si on peut dire, par un concile œcuménique. Ce n'est pas assez connu, c'est très bien de le rappeler. Et puis ensuite, ce que je voudrais dire aussi, c'est un peu le deuxième aspect de notre grand carême orthodoxe, c'est que ce n'est pas morbide. Parce que souvent, lorsqu'on parle du grand carême, on pense privation, etc. C'est quelque chose qui n'est pas très gai, mais c'est la joie. Sachant cela, il est peut-être aussi utile, cher Mathieu, de nous rappeler les structures du triode, le triode étant le livre donc principal où se trouvent les textes liturgiques qui sont chantés dans le carême. Il y a un triode de carême et après le carême, il y aura aussi un triode de Pâques. Le triode de carême, on pourrait le découper en trois parties. Le pré-carême avec quatre dimanches préparatoires jusqu'au dimanche du pardon. Il permet d'entrer proprement dit dans le carême. Ensuite, nous aurons six semaines avec cinq dimanches proprement du carême. Et puis, la fameuse semaine sainte, semaine de la Passion, qui, elle, est à part. Voilà, c'est la structure du triode. Et si je comprends bien, tous les dimanches de ce grand carême ont évidemment un sujet propre. Chaque dimanche, voilà, a un sujet propre, autant dans les quatre dimanches du pré-carême, qui sont des sujets qui introduisent, qui permettent de cheminer vers le carême, et puis les cinq dimanches de carême sont des dimanches qui nous aident à cheminer dans le carême, c'est-à-dire dans l'effort du jeûne, dans l'effort de la prière. Par exemple, le troisième dimanche de carême, qui est en centre, nous avons la fête de la croix, croix qui rappelle les souffrances du Christ, mais qui est aussi la joie, parce que par la croix, la joie est venue dans le monde. C'est par la croix que le Christ va vaincre la mort. Donc, double sens. Si ce n'est pas indiscret, je voudrais vous demander comment vous est venue l'idée d'éditer ce livre, parce que c'est un grand travail de mettre tous ces hymnes, tous ces textes, toutes ces prières en langue française. Alors écoutez, pour être entièrement honnête, l'idée n'appartient pas à moi. C'est Serge de Palonne qui est le directeur des éditions des CIRT
qui a eu cette où idée, le livre est paru. Voilà, absolument. Qui a eu cette idée parce qu'il avait vu en Russie un recueil de textes pour le Grand Carême. Et il s'est posé la question, pourquoi ne pas faire la même chose en français ? Alors, disons que l'idée initiale est partie de lui. Ensuite, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux gens ? Parce que, en fait, on prend souvent le carême dans un sens restrictif, qui est l'abstinence alimentaire dont on a parlé et qui est effectivement important. Mais à côté de ça, il y a la vie de prière qui accompagne cette privation de nourriture. Dans l'Évangile, le jeûne et la prière sont associés. Saint Justin de Thiélier disait que si on pouvait résumer l'Évangile, on pourrait le résumer au jeûne et à la prière. Ce qu'il faut dire, c'est que si on fait le grand carême sans aucun soutien spirituel, c'est quelque chose qui est très, très difficile, voire impossible. Il est dit d'ailleurs dans le Triode, jeûnons corporellement et jeûnons spirituellement. Alors c'était un peu, disons, le point de départ de ce recueil de textes. Et parmi ces textes, naturellement, le plus important, c'est le texte du Triode là, qu'on a évoqué à l'instant, parce que malheureusement, beaucoup de gens ignorent même l'existence de ce livre, ou alors viennent à l'église entendre quelque chose sans vraiment essayer de pénétrer ces textes qui sont absolument magnifiques. Disons que c'était la première partie de ce livre. La première idée, c'est de choisir un certain nombre de textes du Triode. Alors, c'est pourquoi j'ai fait appel à Mathieu Malinine, qui étant chef de chœur et chantre, la pratique depuis des années de ces textes, et je lui ai demandé de nous trouver ce qui était peut-être le plus intéressant, le plus à pénétrer dans le Triode. N'est-ce pas, Mathieu ? Vous allez peut-être nous dire comment vous avez opéré. Eh bien, en fait, très simplement, il n'y a pas eu de choses particulières. C'est vrai que la pratique du Triode d'année en année, de manière complète, évidemment, puisque, comme vous le rappelez, les fidèles n'ont pas forcément l'occasion d'avoir ce livre ou n'ont pas forcément l'occasion d'aller à l'église tous les jours. Ils n'y vont en général que le week-end, comme à l'habitude, parfois en semaine. Or, chaque jour, il y a des textes très, très spécifiques qui sont dans le Triode et qui sont chantés ou qui sont lus. Et donc, tout simplement, connaissant le Triode, je dirais en entier, je suis allé ensuite tirer quelques extraits les plus spécifiques, les plus parlants, les plus forts, on pourrait dire, spirituellement, ce qui pourra, au quotidien, pour le fidèle, lui permettre de cheminer chaque jour, tout au long du carême. Oui, ce que je pourrais ajouter à ce sujet, toujours au sujet du Triode, c'est qu'on a traduit dans ce livre les synaxaires du Triode. Alors, ce sont des textes qui sont inconnus, même parfois du clergé. J'allais le dire. Parce que bon, dites-nous qu'est-ce que c'est, sont ces textes. Ce synaxaire est une explication de la fête qui suit le Kandakion dans la sixième ode du canon. Et ce sont des textes qui ne sont généralement pas lus à l'église, même pas dans les monastères, et qui donnent une très bonne explication. Pour ce qui concerne le Triode, ils ont été rédigés au XIVe siècle par le moine Calliste Sansopoulos, et ils sont d'une richesse exceptionnelle, et c'est vraiment dommage que tout le monde les ignore. Il faut rappeler, si je peux me permettre, que c'est à l'office du dimanche. Voilà. L'office du dimanche, que absolument. Ce sont, tout à fait. Les matines du dimanche. Les matines du dimanche. Le samedi soir, donc les matines, donc c'est dans la deuxième partie des vigiles. Exactement. Donc après la sixième ode, après le Kondakion, comme vous dites, et là, il y a ce texte. Oui. Et puis, évidemment, très édifiant. C'est en grec, donc si on a l'habitude du grec byzantin, c'est magnifique. Dans la tradition russe, évidemment, il faut dire que ces textes sont écrits là en slavon. Oui. Et je crains qu'une des raisons qu'on ne le lit pas souvent ou jamais, c'est que le slavon, il n'est déjà pas évident quand c'est des textes qui sont chantés liturgiquement, mais quand c'est un texte, tout simplement un texte qu'il faut comprendre du début à la fin,
le slavon, évidemment, ne facilite pas les choses pour les fidèles. Absolument. Et sans doute aussi, quelquefois, pour quelques membres du clergé, comme vous dites. Mais il faudrait peut-être pour proposer à nos chers confrères et aux chefs des chorales et aux théologiens de fournir une traduction intelligible en russe et dans les différentes autres langues modernes. Mm-hmm. Et comme ça, on pourrait peut-être profiter de cette richesse que vous avez invoquée là. Absolument. Oui. D'ailleurs, je veux dire, même j'ai fait une recherche sur Internet, je n'ai pas trouvé de traduction en russe. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, on va s'en occuper. Merci. Alors, cher Mathieu, nous savons tous que le chant du Grand Carême est un chant particulier et qui souvent paraît même plus riche que le chant habituel parce qu'il y a des démarches musicales un peu particulières. Je profiterai de rappeler que le chant liturgique, que ce soit pendant le temps du Carême, de Pâques ou le temps ordinaire, doit absolument porter la parole de manière liturgique. On dit bien chant liturgique et c'est vraiment important que le chant soit là pour porter la prière, aider même à la prière et permettre aux fidèles de comprendre tous les textes qui sont lus ou chantés. Si vous permettez, si je vous comprends bien, c'est quelque chose de très important que vous dites là, c'est qu'il y a dans la célébration liturgique, malgré les chants et même dans un sens aussi grâce aux chants, une primauté absolue de la parole. Absolument. De la parole et non pas de certains accords musicaux. Absolument, oui. Je pense qu'il est important de le dire quand même. Il est important de le rappeler. Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui. Et je pense qu'il faudra le rappeler encore longtemps. Je pense que c'est une... Soyons optimistes quand même. C'est une tentation effectivement du chantre, des chanteurs, du chef, du psalmiste, de se laisser aller à un plaisir du son, du chant, de la mélodie. Et ça, c'est important d'y faire attention. Pendant le carême, spécifiquement, il est plus difficile, je dirais, de se laisser aller à cela, puisque les mélodies sont quand même plus simples, plus sobres, beaucoup plus recueillies, et on peut moins facilement, je dirais, se laisser aller. Après, pour l'aspect très spécifique des chants du carême, il est intéressant de voir que, on pourrait dire que l'ordinaire devient carémique, c'est-à-dire qu'il y a des chants, des textes plutôt, qui ne sont pas chantés habituellement, comme certains tropaires des heures, certaines parties des matines ou des vêpres, et qui, pendant le Grand Carême, sont chantés et accompagnés même de métanies. Des métanies, donc les génuflexions à terre. Prosternation jusqu'à terre. Mmh. Et donc, c'est là que l'usuel devient carémique, puisqu'il prend un autre visage, il prend une autre forme, avec ces changements et son côté très paisible. Les chants sont très paisibles, très tranquilles et doivent encore plus amener le fidèle à prier. Je me rappelle toujours qu'un jour vous m'aviez dit que le chant liturgique n'a rien à voir avec l'opéra, qu'il faut des fois aussi s'en rappeler pendant le carême parce qu'il existe. Aussi étonnant que ça puisse paraître, des choses somptueuses, un chant somptueux pour certaines prières du carême et qui ne sont vraiment pas à leur place. Absolument pas. C'est tout à fait contraire à l'esprit du carême. Voilà, oui. Ça dénature le texte quand on dit « Aie pitié de moi », si on le chante d'une manière opératique, on peut dire, ça sera complètement décalé. On ne peut pas du tout s'exprimer... On ne peut pas du tout prier. Comme vous avez dit que le carême, vous l'avez dit tous les deux, le carême est avant tout un temps d'une prière plus intense. Il est clair que du point de vue musical, ça doit aussi être le cas, que le chant soit vraiment priant. Lors de la première semaine de carême,
Le matin, on disait les heures et les matines, avec des parties qui habituellement ne sont pas chantées et qui là sont chantées accompagnées de métanies. Le soir, on a les fameuses grandes complies, à l'intérieur desquelles est chantée de manière très solennelle, mais avec une très grande, une profonde humilité et une profonde prière, le célèbre, on pourrait dire, canon de Saint-André de Crète. Oui. Là, on est au cœur de la spécificité du Grand Carême. Monsieur Le Caro, vous avez, évidemment, en composant ce livre, vous avez puisé dans des sources diverses, comme vient de dire Mathieu. Il y a eu, bien sûr, les textes liturgiques eux-mêmes, mais il y a aussi des commentaires, voire des homélies, voire autre chose. Quelles sont toutes ces sources que vous avez pu réunir ? Alors, écoutez, pour commencer, là, je viens de penser à l'instant à cette chose-là, c'est qu'il est dit dans le Triode que pendant le carême, l'aubergiste est l'Esprit Saint. L'aubergiste, oui. Donc, c'est l'Esprit Saint qui nous nourrit, et il nous nourrit justement par ces textes inspirés des pères de l'Église. Et c'est dans ce sens-là que j'ai fait des recherches pour trouver des textes qui correspondaient au Grand Carême. Donc, hormis ces textes liturgiques que nous avons évoqués maintenant, j'ai cherché chez les pères de l'Église, et principalement chez Saint Jean Chrysostome. Ensuite, chez des pères plus récents, comme Isaac le Syrien, Grégoire Palamas, et après des saints tout à fait récents comme Saint Théophane le Reclus, Saint Jean de Kronstadt, et puis plus récemment encore, Saint Justin de Thielier. Dans ce livre, ce qu'on a essayé de faire, c'est de représenter la vie de l'Église dans, je dirais, dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, d'une part, tous les pères depuis pratiquement le commencement de l'Église jusqu'à maintenant, et dans l'espace, puisqu'il y a, il y a des Grecs, il y a des Russes, il y a des Roumains, il y a des Serbes, il y a vraiment tout le monde orthodoxe qui est réuni ici. Pendant cette période, on ne peut pas ne pas ressentir d'une façon particulièrement forte une certaine plénitude, je dirais. Absolument. Qui vient des paroles qui sont prononcées, qui vient des chants, qui quand même nous aident à être un peu plus concentrés, et qui viennent à leur façon, de façon tout à fait sobre, mais quand même aussi illustrer les mots qui, et leur sens, parce que ce chant-là, sans doute, les mélodies sont inspirées par les mots qui sont chantés. Est-ce que vous pensez que c'est ainsi ? Très certainement, oui, tout à fait. Le caractère, soit pénitentiel, soit humble, soit ascétique, tout l'aspect qui fait voilà, cette période du Grand Carême, très certainement a inspiré les mélodes à faire des mélodies justement particulières. Alors, à propos des mélodies particulières, dites-nous, vous êtes quand même un brin musicologue, n'est-ce pas ? Beaucoup. De ce point de vue-là, purement musicologique, quelle est la particularité de ce chant ? Parce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément triste. Alors, si, mais ça peut être quand même, enfin, des fois un peu sévère, ça dépend, mais... Pour vous, du point de vue musical, quelle a été, comment dirais-je, la méthode pour arriver à ce chant très particulier ? Qu'est-ce qui fait que ça reste radieux et pas morbide, comme dit Bernard ? Il y a d'un côté l'utilisation du ton 6, comme on le dit dans le livre, pour donner des moments effectivement graves, on pourrait dire. Parlez-nous un peu de ce ton 6. Alors, le ton 6, dans la tradition russe, il est ce qu'on appelle dans le mode mineur. Dans les cours de solfège, on dit que le mineur, pour aider les enfants, on dit « c'est ce qui est triste ». Voilà. Alors, c'est la tonalité globale qui est un peu triste, mais il y a quand même des passages par le majeur. Voilà. Donc, ce ton 6, il permet effectivement, musicalement, de mettre un texte qui est plus grave, qui est plus
qui veut mettre l'accent sur la pénitence ou sur l'humilité, eh bien, la couleur de ce mode mineur permet de porter cette atmosphère. Voilà, parce qu'il y a aussi dans le carême, évidemment, et dans ces chants, l'élément de l'affliction. Mais l'affliction Absolument. Est naturelle, parce que nous sommes affligés à propos de nos... Enfin, je parle pour moi, de nos péchés. Absolument. C'est nos péchés qui nous affligent. Absolument. Et ça, c'est exprimé, je pense. Tout à fait. Il est intéressant, par exemple, si on veut encore donner une illustration précise, M. Ossorguine, à l'Institut Saint-Serge, Le dernier dimanche du pré-carême, dit de l'expulsion d'Adam, du dimanche du pardon, toujours à ce même endroit, aux matines du dimanche, à la sixième ode, au moment du kondakion, le ikos, qui est le texte qui suit, qui va avec, qui va avec, est lu, et il est de tradition de lire le dernier petit élément de phrase de ce ikos, qui est d'ailleurs la fin du kondakion, donc c'est un rappel. Et il est intéressant. Dit... Et alors dans celui-ci, il dit miséricordieux, aie pitié de moi qui suis tombé. Qui suis tombé, Pachawa. Mmh. Qui suis tombé, qui suis pécheur et qui suis tombé dans le péché. Et ici, M. Ossorguine, de manière extraordinaire, chantait ce ton 6. Sur la mélodie qu'on appelle des stichères et non des tropères. Mmh. La mélodie des tropères est beaucoup plus, on va dire, majeure, beaucoup plus jolie, un peu enlevée comme ça, alors que le ton 6 des stichères dont on parlait, qui permet de soutenir l'affliction, chose comme ça, est donc en mineur. Et il a choisi délibérément de prendre la mélodie des stichères alors qu'on devrait prendre la mélodie des tropères. Pourquoi ? Pour justement retrouver ce mode mineur et appuyer ce texte. Toi qui es miséricordieux, ô miséricordieux, aie pitié de moi qui suis tombé. Et il est intéressant de voir que cette manière de faire dans ce ikos est spéciale. On lit plusieurs parties. Ce ikos est en plusieurs parties. Normalement, il y a une partie, et on chante le verset et ça s'arrête. Ici, il y a plusieurs parties, donc on chante plusieurs fois ce verset, et ça fait tout de suite penser, de manière évidente, au canon de Saint-André, où nous chantons « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi ». Alors ça, c'est une inspiration qu'il a eue, je pense, totalement divine et qui est totalement en parfaite harmonie avec le sens et cette atmosphère du Grand Carême. Voilà. Maintenant, je voulais vous demander, quand on tient ce livre entre ses mains, et on voit que c'est extrêmement riche, et comme toutes les choses riches, des fois, elles peuvent paraître un peu compliquées, quelle est, d'après vous, la meilleure méthode d'utiliser le livre ? Maintenant, puisque nous sommes dans le carême, nous avons la chance qu'il existe, que devons-nous faire pour profiter au maximum de votre travail? Alors, écoutez, ce que je dois dire, en règle générale, j'ai essayé de sélectionner des textes qui sont très abordables. Le principal, ce sont les textes du Triode, qui sont des textes, finalement, qui sont très simples. On s'aperçoit qu'ils sont tous tirés de la Sainte Écriture. Lorsque nos amis protestants parlent de « sola scriptura », je pense que c'est tout à fait adapté à nous. Et je découvre tous les jours dans ces textes, justement, qu'ils sont directement inspirés de l'Évangile. Ouvre-nous les portes de la pénitence. C'est un des chants, effectivement, qui parcourt tout le carême. Et c'est juste après l'Évangile, effectivement. Des matines. Aux matines. Et donc, c'est en trois parties. Ouvre-moi les portes de la pénitence, donateur de vie, car mon esprit veille vers ton saint temple en portant le temple de mon corps entièrement souillé. Mais dans ta compassion, purifie-moi dans ta tendre miséricorde. Alors, vous voyez qu'on parle plusieurs fois du temple. De quel temple s'agit-il ? Il s'agit du temple de la parabole du publicain et du pharisien. Donc là, c'était déjà un élément évangélique. Là, on va passer au deuxième. Conduis-moi sur les chemins du salut, ô Mère de Dieu,
car j'ai souillé mon âme par de honteux péchés, ayant gaspillé toute ma vie dans ma paresse. Par tes prières, délivre-moi de toute impureté. » Alors là, on parle de gaspillage. Donc, on pense tout de suite au fils prodigue. Et le troisième ? « Me souvenant de la multitude de mes mauvaises actions, pécheur que je suis, je redoute le jour terrible du jugement. Mais espérant la miséricorde de ta compassion, comme David, je m'écris, aie pitié de moi, mon Dieu, en ta grande bonté. » Donc là, on est au jugement. Donc vous voyez qu'il s'agit de trois paraboles évangéliques. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est dans l'ordre du triode. Avec le premier dimanche, le pharisien et le publicain, ensuite le fils prodigue et à la fin, le jugement. Cher Mathieu, puisque nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui avec nous, vous êtes chantre depuis des longues années, vous dirigez des chorales, des chœurs liturgiques. Quand nous pensons au temps du Grand Carême, on pense volontiers au psaume sur le fleuve de Babylone. Et peut-être pour nous aider à saisir cet esprit carémique, ce serait bien que vous puissiez nous le chanter. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions au souvenir de Sion. Alléluia. Et le chantre continue avec les versets. Au saule de leur rive, nous avions suspendu nos harpes. Et le chœur enchaîne. Alléluia. De nouveau un verset. Là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demander de chanter des cantiques. Alléluia, etc. Et on voit très bien que ce chant introduit une atmosphère intérieure, de recueillement, priante. Oui. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux carême. Je vous remercie. Merci.